Salut les gars, aujourd'hui je vais faire une création bloc de commande. Faut que je vérifie par qui c'était. Il me semble que c'était fait par IGM Minecraft. En tout cas, je vais vous montrer cette création. Donc en gros, d'ailleurs pour avoir un bloc de commande, vous faites. Et vous en obtenez un, bah moi j'en ai déjà un donc. Voilà. Ensuite, vous mettez à l'intérieur la commande que vous allez auquel vous allez trouver un lien dans la description. Donc, voilà. Ensuite, on active la bloc de commande avec un peu de redstone. Et voilà. Et oui, c'est pas IGM Minecraft. Bon, aujourd'hui, je vous montre une création par lui, donc. Qui est la bloc de la boîte de Pandore. Donc en gros, ensuite, pour avoir vos affaires, appuyez sur ici. Maintenant, c'est en anglais, mais bon, c'est assez simple quand même. Donc ensuite, vous prenez le chaudron. Enfin, il me semble que c'est comme ça que ça marche. Je ne suis plus 100% sûr. Et oui, c'est bien ça. Et ensuite, pour activer la commande, en fait, non, j'aurais mieux fait de faire ça un peu plus loin, vu que c'est assez destructif. Et je vais aller là-bas, en fait. Parce que ça fait des dégâts. On peut dire ça. Pauvre village, il va être détruit dans quelques instants. Voilà, on est arrivé. Là, c'était où, voilà. C'est sûrement que j'ai enlevé ça de la vidéo parce que sinon donc ensuite vous mettez ça à l'intérieur. Ok, j'ai un peu raté mais bon. Et ensuite, pour rater la bloc de Pandore, vous cassez le petit tapis. Ouais. Si j'y arrive. Allô? Ah voilà, j'avais oublié, il fallait aussi mettre ça à l'intérieur. Bon, maintenant, vous voyez, il y a toutes ces petites particules sur ces petits trucs sur le chaudron. Et maintenant, vous pouvez le casser normalement. Vous voyez, vous entendez ce bruit. Et normalement, ça va commencer dans quelques instants. Je recule un peu. Je crois que mon ordinateur va laguer là, hein. Ok, très bien. Donc, signe, ok, très bien. Ça peut marcher apparemment. Allô? Et voilà, ça marche, ça marche, ça marche. Oh, ok, ok, ok. Et bientôt, devrait aussi avoir le reste, donc, qui arrive. Et donc, pour commencer... Ouh, attends, juste un peu mal exprès. Vous voyez tous ces zombies hein, et zombies cochons, cochons zombies, je sais plus comment ils s'appellent, tous en armure de fer. Et voilà, ça commence. Et comme vous voyez, ça mène le gaz. En gros, ça en transforme ce monde dans le Nether. Hein. Il va y avoir ça un peu partout. Et bah, en connaissant les gaz, bah, ils vont tout faire exploser, hein, aussi simple que ça. Toutes ces particules. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas si ça fait quelque chose avec l'eau. Mais en tout cas, voilà la maison. Hein. Il a un peu perdu, il a un peu perdu son toit. Ouf. Je regarde mon ordi, il arrive à y arriver. Encore, c'est pas le plus destructif des trucs. Voilà. Bah tiens, il s'est pris. Il est un peu coincé. Hein. Non, non. J'ai pas le temps de l'aider. Et bah comme vous voyez, c'est... faites pas ça près de vos maisons, sinon ça va être un peu moche. Et il me semble, je sais pas sans bon sens sûr, mais il me semble que ça va jusqu'à l'infini. Après un moment, il y a tout votre monde qui va être couvert de ça. Après cette vidéo, je vais détruire ce truc là-bas, parce que sinon... Mon ordinateur va laguer à chaque fois que j'ai commencé Minecraft. Bon. Et
Si je me rappelle bien, il devrait y avoir quelque part. Et ah oui, maintenant, si on brise une deuxième fois le truc. Voilà. Viens ici. Viens. Bon, apparemment, j'arrive plus à... voilà. Et en gros, vous allez voir, ce truc s'appelle Espoir. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire de Pandore. Ok, non, ça va pas à l'infini. C'est déjà ça de fait. Et donc, si vous mettez quoi que ce soit comme objet, disons... Tiens, vous aimez vos diamants. Vous mettez ça par terre. Et bah, justement, si vous jetez ça... Oh mon dieu, ça lag. Justement, tous les objets à l'intérieur d'ici sont destructibles. Par exemple... on va voir. Pas si ça va marcher, hein, mais normalement ça devrait marcher. Bon. Normalement, voilà. Normalement, il devrait rester. Si tu manges bien. Mon dieu, ça lag. Ah, ok. Et moi, voilà. Et comme vous voyez, il y a encore tout. Enfin, si je les trouve. Hein, ils sont... Ah, voilà. Et vous voyez, les diamants sont encore là, en parfait état. Tout rien. Et aussi, hein. Et donc... Tout ce qui est dans son champ de force vert, si vous verrez un petit name tag sur lequel il y aurait écrit secured, ce qui est anglais pour sécuriser, ce qui veut dire que ces blocs à l'intérieur, bah, ils sont indestructibles. Jusqu'à que l'espoir est repris dans votre inventaire. Et alors, bah, ça marche plus, hein, ils explosent. Aussi simple que ça. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et oui. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse. Si vous voulez plus de cette création dans votre monde, n'avez qu'à appuyer ici sur Destroy et voilà, comme vous voyez, hein, au revoir. Ce qui aussi maintenant me permet de ranger ça. Voilà. Donc, ouais, désolé, j'avais oublié de dire ça. Donc, oui, maintenant, réellement, la prochaine fois.